C'est un endroit qui sent bon les vacances. Ici, on vient avant tout faire de la glisse. Mais depuis le début de l'été, les habitués de Wake Paradise profitent d'un tout nouveau lieu de détente, un restaurant terrasse de 100 couverts au bord de l'eau. Nous, ce qu'on voulait, c'était augmenter et élargir la surface de confort, gratuite toujours, j'insiste là-dessus, pour la clientèle, pour passer du bon temps au bord de l'eau sans avoir à faire 300 km pour rejoindre la Vendée ou la Bretagne. Du sable, quelques palmiers, le tour est joué pour se croire sur le littoral à seulement 15 minutes du Mans. Le but de la manœuvre pour nous, c'est d'avoir une terrasse qui nous tend les bras, voilà, de rester un petit peu zen sur une ambiance très, très calme, très apaisée, bord de mer entre guillemets, puisqu'on est au bord du lac. Et puis c'est de rentrer vraiment dans cette logique de bord de mer. Je me suis beaucoup inspiré de ce qui se faisait sur la Côte d'Azur, ce qui se faisait aussi en Corse, etc. Sur l'esprit toujours un peu bohème chic, voilà, c'est quelque chose qui est très inspirant pour moi, le côté nature et à la fois confort. La jeune entreprise, née en 2016, a investi 700 000 euros pour créer ce petit coin de paradis. Deux mois après, le pari semble gagnant. De semaine en semaine, on s'est aperçu qu'on était trop peu nombreux à la paillote, trop peu nombreux au bar, trop peu nombreux au service, en cuisine. Et donc du coup, il a fallu rembaucher tout ce petit monde-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un groupe de 23, et on est une super équipe, il y a une super ambiance, et on propose maintenant aussi des cocktails, on s'est diversifié au niveau du bar, et voilà, on continue à se développer gentiment, quoi. D'autres projets sont dans les cartons. Une chose est sûre, le lieu se voudra encore plus festif.